Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous avons un téléphone de marque essentielle, Connect, de modèle Connect K151, de version 4.4 qui a bloqué sur le schéma. Alors, ce téléphone est bloqué sur le schéma, l'utilisateur l'a laissé pendant un temps, donc il a oublié le schéma. Alors, le téléphone demande le schéma. Alors, déjà, on sait que ce téléphone de version 4.4 de marque essentielle, de modèle Connect K151, est de processeur MediaTek. Alors, pour savoir si le téléphone est de quel processeur, si vous n'êtes pas sûr, alors, rentrez dans Google. Alors, allez sur Internet, ouvrez votre navigateur Google, tapez le modèle du téléphone en question. Voici le modèle de téléphone en question, c'est Android Essentiel Connect K151. Donc quand vous défilez un peu vers le bas, on va voir un lien, voilà le lien là, pour connaître le processeur. Juste vous montrer le processeur de ce téléphone, c'est MediaTek. Moi je le sais déjà, voilà. Vous avez bien vu Davis Brand Essentiel, Davis modèle Connect K151, Davis processeur c'est MT, MediaTek 6585. Alors, c'est bon. Déjà, on sait qu'avec le modèle MediaTek, on peut travailler avec l'outil en question, Miracle Box. On va travailler avec notre outil en question, Miracle Box, dans la version 2.82, qui va nous servir de connaître le code. Qui va nous servir de connaître le code de ce téléphone. Alors, dès que Miracle Box est, vous rentrez dans Médiathèque, c'est-à-dire dans Médiathèque, vous choisissez Read Info. Vous laissez la case en principe automatique sur le bouton automatique, ici aussi vide. Alors, vous descendez, vous cliquez sur Start Bouton. Dès que vous cliquez sur Start Bouton, vous connectez votre téléphone. Alors, on va le faire. Start. On attend toute l'information. Dès qu'il dit Waiting for Progress, alors c'est ça. Alors, on connecte le téléphone. Voilà. Voilà une des informations. Voilà. Vous voyez bien, il y a les informations du téléphone en question. Alors, il dit quoi? Il donne toutes les références de ce téléphone. Vous voyez à partir d'ici. Il donne toutes les références de ce téléphone en question. La version, les emails, c'est un téléphone à double SIM. Bon, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse ici, c'est que l'outil en question arrive à lire les informations du téléphone. Alors, donc, à partir de ça, on sait qu'on peut connaître le code qui est oublié dans le téléphone. Alors, on va venir ici dans la partie en lock fixe. On clique sur Read Pattern et on fait la même procédure également. Alors, dès que vous cliquez sur Read Pattern, ça c'est pour connaître le code ou le schéma. Alors, vous cliquez sur Start Bouton et vous faites la même procédure. Dès qu'il vous dit Waiting for Power USB, voilà, on connaît le téléphone. Alors, on attend. Voilà, on attend. Une information, voilà. Et il nous donne le code. Vous avez vu, il nous donne le code. C'est le code qu'il nous donne ici. Le code, voilà. 14789. Voici, il dit 14789. Voici le schéma. Voici le schéma qui est bloqué dans le téléphone. Parce que le code, ça doit être 1283 ou voilà. Il dit 14789. Ça, c'est le schéma. Ça, c'est le schéma. Alors, on va allumer le téléphone et puis on va taper le schéma. On va dessiner le schéma plutôt. Voilà, essentiel. Je rappelle que cette vidéo est à but éducatif. Voilà, nous et notre chaîne, nous ne sommes pas responsables si vous utilisez une telle partie pour faire du mal à autrui, carrément. Donc, grâce à cet outil, on peut connaître le téléphone, on peut connaître le code, le mot de passe oublié ou le schéma plutôt dans les Android de version inférieure à 5 pas souvent. C'est possible et c'est facile à faire, comme on vient de le faire dans cette vidéo. Alors, le téléphone est allumé. On va dessiner le schéma, vous allez voir. Alors on va dessiner le schéma, vous allez voir.
Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, c'est on refait pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, je repasse pour que vous puissiez bien comprendre. Il dit 1, 4, 7, 8, 9. Je vous montre le code. 1, 4, 7, 8, 9. Voilà. Donc, 1, 4, 7, 8, 9. Voilà. Ça, ça devient L. Ça devient L comme schéma. Donc, ça devient L comme schéma. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Le numéro du modèle est Connect 451 version 4.4. Je rappelle que cette vidéo est à but éducatif. N'hésitez pas de faire un tour sur ma chaîne YouTube qui est Déblocage et Flash Android. Abonnez-vous à ma page. Cliquez sur la cloche de notification. Likez les vidéos. Faites des commentaires au cas où vous ne comprenez pas certaines vidéos dont les contenus sont un peu voilà, difficiles. On va vous répondre. Donc je rappelle que aussi nous sommes aussi spécialisés dans la réparation, la vente et achat des outils informatiques, des ordinateurs, si vous désirez des conseils et assistance en informatique. Alors on se dit à la prochaine.